l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour mes caricatures, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente une critique express du jeu Cosmic Encounter, un jeu de 3 à 5 joueurs produit par Fantasy Flight Game qui dure environ peut-être 1h15, 1h30. Dans le fond, il y a une belle brochette d'auteurs, là, très peu, pas nécessairement super connus, là, Bill Eberle, Jack Kittredge, Peter Holoka et Bill Norton. Ce sont des auteurs d'ailleurs qui ont fait plus des jeux améritrash là, en tant que tel. Mais enfin bref, donc Cosmic Encounter, c'est un jeu qui remonte jusqu'à les années 70, je pense. Donc on a fait la première édition en 70 et ben une décennie après l'autre, nous a amené une nouvelle édition. Et là, je suis pas mal certain que on est bien planté avec cette édition-là. Donc, Cosmic Encounter, ce que c'est un jeu, en fait, où les joueurs vont incarner différentes races avec des pouvoirs asymétriques. Et le but, c'est d'aller conquérir 5 planètes différentes dans des systèmes adverses. Peu importe là, si j'en ai 2 chez vous, puis j'en ai 3 chez mon ami à droite, ben, je gagnerai la partie. Première particularité du jeu, c'est que plusieurs joueurs pourraient gagner en même temps, puisque c'est un jeu de négociation et d'alliance à court-moyen terme, le plus court terme, là, on va se le dire. Donc les joueurs, en fait, à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une carte, et cette carte-là va nous dire la couleur qui sera impliquée en tant qu'adversaire. Donc moi, si je suis le joueur principal, je serai l'attaquant, et par exemple, je pige une carte jaune, ben je vais devoir viser le joueur jaune. Et par la suite, les deux joueurs, l'attaquant et le défenseur, devront demander aux autres joueurs autour de la table s'ils veulent s'allier avec eux. Si les gens s'allient avec l'attaquant et que l'attaquant gagne, eh bien, bonne nouvelle, ils colonisent tous ensemble cette planète-là. D'où la raison pour laquelle on peut gagner tous plusieurs personnes en même temps. Autrement, si on se joint à la défense, eh bien là, ça va nous permettre de pouvoir piger des cartes, de pouvoir récupérer des vaisseaux qui ont été détruits. Ce qui m'amène en fait au premier point spécial de ce jeu-là, c'est-à-dire les cartes d'attaque. Alors, les cartes d'attaque sont très, très variées. On peut avoir une carte de 4 d'attaque, alors qu'il y en a une autre que c'est une carte de 40 d'attaque. Je l'ai trouvé, ce ne serait pas très très long. 30 d'attaque, tiens, on va vous monter 30 d'attaque. Donc, premièrement, le deck est assez gros et ben on va piger des cartes. Donc, ça se peut qu'on ne pige pas des très très bonnes cartes. Ça peut peut-être déplaire à certains joueurs qui veulent avoir le contrôle, qui veulent plus savoir où s'aligner, surtout des amants de jeux euro. Là, oubliez Cosmic Encounter, là. C'est vraiment pas fait pour avoir de l'optimisation, c'est vraiment fait pour créer des situations, pour faire réagir et pour avoir des histoires à raconter. Et sinon, il y a des cartes négociation qui nous permettraient, une fois que l'on a rassemblé des gens ensemble à notre cause, si les deux joueurs jouent une carte négociation, à ce moment-là, boum, les deux joueurs tombent en négociation et doivent trouver un consensus. S'ils ne trouvent pas de consensus, eh bien, on perd les vaisseaux des deux côtés et bien, tout bad, so sad, ça s'éteint là. Merci, bonsoir. Donc ça, c'est la première particularité là, du jeu, c'est-à-dire les cartes que l'on pige là, qui ne nous donnent pas beaucoup de contrôle sur l'issue là, de la victoire. Mais on a une manière de pouvoir contrer tout cela, c'est-à-dire c'est avec notre faction, notre race. Donc si vous pouvez voir, ça c'est comme une espèce de grosse pile de différents pouvoirs de spéciaux qu'il y a dans Cosmic Encounter, Rencontre Cosmique. Et je vous le dis, mes amis, ces pouvoirs-là sont sauter, là. C'est vraiment, vraiment du jamais vu, là. Il y a des choses là-dedans là, que j'ai jamais vu encore dans le jeu de société. Ça sort complètement des sentiers battus. Ça se veut être vraiment, vraiment chaotique à la limite. Par exemple, lui, le perdant, ben lui qui active son pouvoir, s'il est impliqué dans un combat où il est l'attaquant ou le défenseur, peu importe, eh bien, s'il perd le combat, il le gagne, et s'il le gagne, il le perd. Donc là, ça vient vraiment, vraiment chambouler en fait toute la situation. Une fois que si on a des mauvaises cartes, c'est une très très bonne carte. Il y a aussi une autre race qui va vous permettre de prendre une pièce et de donner en fait nos deux mains à l'adversaire et de lui dire dans quelle main se trouve cette pièce-là. Et si l'adversaire révèle une main qu'il n'y a pas la pièce, eh bien il perd automatiquement. Si par contre
il avait la pièce dans l'autre main, ben à ce moment-là, il gagne. Et là, j'oublie, et là, sans oublier de vous dire que chaque race vient avec son lot de cartes artefacts que l'on peut piger, ce qui permettra aux joueurs d'avoir des pouvoirs spéciaux tant aussi longtemps qu'ils ont ces artefacts-là. Donc, c'est vraiment, vraiment un jeu particulier avec une saveur vraiment unique qui, je pense pas, ne plaira pas à beaucoup de joueurs. Mais c'est le genre de jeu qu'on peut sortir en fin de soirée et avoir un moment mémorable, vraiment. Chacune de mes parties là, de Cosmic Encounter, je peux me souvenir d'une situation vraiment, vraiment complètement excentrique qui sort de l'ordinaire, que tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas qu'il y ait un jeu qui fasse ça, là, tu sais. Ben oui, Cosmic Encounter le fait. Et c'est pour ça que Cosmic Encounter, moi, c'est un de mes jeux favoris que j'aime énormément, parce que chaque situation amenée est unique. Chaque chose qui va se passer dans ce jeu-là va être un espèce de souvenir commun que l'on a ensemble autour de la table. Je me souviens très bien de deux parties qu'on a jouées. Une première partie le vendredi soir, où est-ce qu'on était tous ensemble autour de la table à avoir gagné, sauf un joueur, et que le lendemain, il a réussi à gagner seul contre tous les autres joueurs. Et là, ça avait comme créé une espèce de remous, mais c'est tellement le fun, c'est tellement appréciable comme moment, et je pense que c'est surtout ça la beauté de Cosmic Encounter, c'est le fait que on crée des moments mémorables. Donc si vous n'aimez pas les jeux, ou est-ce que vous n'avez pas le contrôle, ou est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une gestion de ressources, en train d'optimiser ou de performer, à ce moment-là, n'allez pas vers Cosmic Encounter. Si par contre vous voulez un jeu qui va vous donner des moments mémorables et vraiment, vraiment appétissants autour de la table, puis que ça ne vous dérange pas de gagner, ça ne vous dérange pas de perdre, juste d'être surpris par un jeu, ben Cosmic Encounter, c'est vraiment le jeu qui va vous surprendre le plus, je vous le garantis. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse et que vous avez aimé la vidéo, ben laissez un pouce vers le haut. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur Instagram. Si vous avez des questions ou commentaires, laissez-les dans la section ci-bas. Et sinon, mon nom est Vincent et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite, à vous et vos amis, un bon jouage!